Et salut tout le monde, comment allez-vous? Ici Tyrion86 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvel épisode sur Project Cars 3, la suite et peut-être fin de notre carrière, puisque je rappelle aujourd'hui c'est la fin de la GT Open et la fin de la carrière de base, hein, parce qu'on avait terminé toutes les catégories route hein, jusqu'à de la Road E jusqu'à l'hypercar. La GT Open, on arrive sur la fin aujourd'hui, on a fait la catégorie sur invitation. Je dis peut-être la fin de la carrière parce que honnêtement, je tâte de me prendre les packs légende, style, puissance et électrique parce que franchement, ce jeu est pas mal. Même si c'est vrai que sur la fin de cette carrière, c'est très compliqué d'arriver, de terminer les courses en difficile. Bref, on va voir comment se passe l'épisode d'aujourd'hui et peut-être qu'à la fin, j'aviserai est-ce que je prends le season pass et tout. Ça serait la première fois que je prends le season pass pour continuer une carrière d'un jeu que je fais avec vous sur YouTube. Bref, aujourd'hui, nous. On se concentre sur la GT Open. En GT Open basique, on avait pris la Renault. En Masterclass, on avait pris la Porsche Spyder. En GT Open spécial, la semaine dernière, on avait pris une Ferrari qu'on avait achetée juste pour une course. Et une Koenig Jesko qu'on avait fait 4 courses avec, un tour lancé et un championnat de 3 manches. Donc comme on a acheté une Ferrari juste pour une course, je vous propose qu'aujourd'hui, on prenne la Ferrari pour tout, écoutez, toute la GT Open majeure. On va prendre la Ferrari qu'on avait acheté que pour une course aujourd'hui. Les régulateurs de vitesse, je les laisse de côté pour la simple raison qu'on a un championnat de 4 manches et sur des courses assez longues, Willow Spring, Jerez, Hockenheim Classic et Bathurst. Et à chaque fois, je l'ai débloqué là juste avant de lancer la vidéo pour voir combien il y a de tours. Il y a 5 tours sur chaque course, donc on a au moins pour 10 minutes de chaque course à chaque fois. Donc je pense qu'aujourd'hui on va débuter par championnat et peut-être qu'on se fera que ça. Si on a le temps, on sera peut-être à un régulateur de vitesse là sur l'ovale ou la course en invitation ouverte à Portimao, mais aujourd'hui on va commencer par le championnat avec notre Ferrari FXXK. Les objectifs sont de remporter le championnat, de remporter 2 manches du championnat et de marquer au moins 60 points. Bon, on commence par Bathurst, mon panorama. Les 2-3 fois qu'on l'a fait, on l'a galéré à mort. Hein. On l'a galéré parce qu'il y a des murs, quand on tape dans les murs, ça nous ralentit. L'IA, elle, est collée dans la route, dans les successions de virages. Elle va très très vite. Et nous, vu du fait qu'on patine et tout, on n'arrête pas de freiner, donc on se fait démonter hein, sur ce circuit en général. La dernière fois que je l'ai fait, j'ai réussi à terminer 6ème. Je sais plus, je crois que c'était dans la catégorie sur invitation en plus. On était avec une voiture assez récente. On avait terminé 6ème, ouais. Là, on va voir. On va voir. Avec la Ferrari, ce que ça va donner. Normalement, c'est pas une 4 roues motrices. Allez, bienvenue en Australie. Ok, au niveau des paramètres. Je sais plus si j'avais changé les paramètres l'autre fois. Non, j'avais pas changé. Hein. Non, c'est toujours pareil. Au niveau de la difficulté, on est toujours en difficile, agressivité, moyen. Ça, on a fait ça toute la carrière. On part en course. Première course de ce championnat. Hein, c'est souvent que dans la dernière catégorie, on commence par le championnat parce qu'il y a 4 courses assez longues. Allez, on va voir ce que va donner cette Ferrari. Elle patine déjà au démarrage. Ferrari FXXK. Allez, faut qu'on gratte quelques positions là. Oh là là, on l'a pas respecté lui, hein. On l'a pas respecté, mais ça nous permet de nous mettre sixième. Oh là là, trace la voiture d'à côté là. Allez, c'est bon. Est-ce qu'on la reprend en vitesse de pointe? Ouais, on la reprend. Alors, dans ce virage, en général, ils vont assez vite. Et nous. On freine comme un malade pour pas partir dans le mur. Et voilà, t'as vu déjà l'autre, il m'a refait le cul hein, dans le virage. Alors est-ce que je peux repasser lui? Ouais, peut-être je peux le repasser. Non, il repasse. Ah si, c'est bon, le mur l'a bloqué. Alors attention, faut surtout pas taper les murs là. Ah, tu vois là, par exemple, ça c'est pas bon. Et t'as vu comme il passe vite l'autre à côté? Là, je les ai bloqués les deux derrière parce que voilà, je suis revenu direct sur la piste. Mais... Oh là 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 là. 5 tours là, on va pas terminer premier, hein. Moi je te le dis. L'objectif de terminer 2 manches à la première position, il n'est pas fait. Hein. Alors là en général ils vont assez vite. Et moi comme je tape les murs, ben, ça me ralentit, tu vois. Regarde comme il passe. Regarde comme il passe. Sérieux? Je me fais pas respecter du tout là. T'as vu comme ils zigzaguent et ils perdent pas de... Il perd pas de vitesse, ouais. Allez, ben on a perdu 5 positions. Hein. Déjà, on avait réussi à se mettre 6ème au départ. Là, on vient de perdre 5 positions. Oh, le son de la voiture quand on la regarde de devant. Allez, attention, la longue ligne droite, là. Ah, on est pas mal, hein, la longue ligne droite, là. Vitesse de pointe, on est pas mal. On rattrape sur le freinage. Aïe, 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 aïe
Oh, on est sur des tours de 2 minutes, ouais, ça va durer longtemps ce championnat. Allez, est-ce qu'on peut le repasser au virage? Ouais. On peut reprendre le top 10. Ah, merci le mur. Je l'ai un peu envoyé dans le mur. Déjà devant, ça s'envole, ouais. Ah non, 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 non. Regarde l'autre, il a été dans l'herbe devant, on l'a vu, hein. Il y avait de la fumée, de la poussière, et ça l'a pas ralenti, hein. Alors que moi, ça m'a direct ralenti, et l'autre m'est passé devant direct, hein. Allez, les lignes droites nous sont un peu bénéfiques pour le coup. Eh, je m'appuie sur toi, tu m'en voudras pas. Parce que vous passez tellement vite dans ce virage. Eh, faut qu'on les rattrape les 10 premiers, mais je vais pas y arriver à mon avis. Ah, je suis en total dérapage. Ah ouais, tu vois, nous on drift et eux non. Et c'est ça qui nous fait perdre du temps. Oula, on a maîtrisé que 4 virages sur 12, c'est pas énorme. Regarde ça, il passe très très vite dans les virages là. Oula, il y en a un dans l'herbe. Non, et tu vois, il a été dans la... Dans l'herbe, ça l'a pas ralenti du tout. Oh, comment on se fait pousser ici, c'est ça qui m'envoie dans les murs. Moi j'essaye de passer bien, mais comme il me pousse... Oh là, mais il se faufile dans les trous de souris, sérieux. Regarde ça, les trois là, comme ils sont passés. Et c'est quand je vois ça que je me dis non, non, je prends pas le season pass. Ah non, mais c'est pas possible, je savais que sur mon panorama ça le ferait pas. Je comprends pas l'IA, comment elle est collée à la route, sérieux. Ah, il va nous gêner lui, il va nous gêner, je te le dis. C'est bon, on passe. Oh, les deux ils sont côte à côte là. Merci pour l'aide au freinage, même pas. Oh non! Non, mais regarde ça! Oh là 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 là! Oh mais là, mais c'est abusé, sérieux. Désolé, je vous respecte pas, les gars, parce que là, le jeu il me respecte pas, lui. Hein. Oh mais non! J'ai plus envie de parler. C'est quoi ce jeu? Non, non, je prends pas le season pass. Hein. C'est le dernier épisode de la carrière, les amis. Je vous le dis. Pourtant, c'était la série qui faisait le plus de vues en ce moment sur ma chaîne. Mais moi, je vous le dis, c'est le dernier épisode de la carrière. C'est pas possible, c'est pas possible, sérieux. T'as vu ça? Je vais un petit peu dans l'herbe. Je paye une pénalité de 15 secondes, là. Et eux, par contre, ils y vont, ça fait rien, c'est pas grave. Par contre, ils arrêtent pas de se virer dans tous les sens. Oh, il est en marche arrière, lui, là. Mais bien sûr, il est en face de moi. Ça m'énerve. C'est quoi cette IA, sérieux, là, collée à la route, putain. Je vais repasser en normal. Faut que je vois ce que ça donne en normal. Quitte à gagner toutes les courses, je veux bien ne pas gagner toutes les courses, mais au bout d'un moment, regarde quoi, le comportement qu'elle a dans les virages là. Même quand elle zigzag, elle perd pas de vitesse, elle zigzag à 300 km/h sur place, elle perd pas de vitesse quoi. Et pas de pénalité aussi, surtout ça quoi. 29ème. Je suis dégoûté, sérieux. C'est pas normal ça. Regarde ça! Bon, je relativise en me disant que c'est ce circuit. Le prochain, c'est où? Le prochain, c'est où, on a dit? C'est Rerez. Non, le prochain, c'est Hockenheim Classic. Alors, comment ça va se passer sur Hockenheim Classic? Tu vois, j'arriverai à les suivre hein, si eux ils driftaient comme moi. Mais ils sont collés à la route, ils glissent même pas, je comprends pas. Putain, ma Ferrari a fait la gueule. Allez, c'est l'avant-dernier tour, on est 29ème. Les autres sont loin parce qu'ils sont virés, c'est peut-être moi qui les ai virés. Non, il y en a un, il s'est viré tout seul. On a maîtrisé 10 virages sur 12, il nous en manque 2, je sais pas lesquels, j'ai pas le temps de regarder la minimap.
Peut-être ceux où on tape des murs. Ou dans la descente là-bas. Mais regarde ça, le fait que je glisse. Meilleur premier secteur au bout du quatrième tour, ouais. Et moi, si je freine pas, je suis pas collé à la route comme eux, là. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi eux sont collés à la route et pas moi, quoi. Ah ouais, dans la descente, là, il y a un virage qui le manque. Regarde ça, il m'a déjà rattrapé derrière l'autre. Il était à 10 000 km. Allez, 11 sur 12, ils ont besoin d'en qu'un. Oh là là, il est en... Ah mais... Ah! Voilà, il me repasse devant parce que c'est l'autre... C'est pas vrai! Vas-y, je te reprends dans la ligne droite, toi. 27ème. Ouais, c'est super, c'est une bonne position, 27ème. Bon, on va dire que c'est pas un circuit pour nous. Mais c'est la chicane qui nous manque là-bas, ouais. Essayer de la prendre bien, histoire de valider le virage. Voilà, au moins on a les 12 virages. Il nous reste un tour. Regarde, par exemple, ce virage, ils vont pas vite. Alors que l'autre virage en face, c'est quasiment le même et ils vont plus vite, je sais pas. Je sais pas. Au moins, on a maîtrisé le circuit, on peut se consoler avec ça. Tu vois, regarde, celui-là, ils vont hyper vite. Et le virage d'avant la ligne d'arrivée, c'est le même. Ils vont lentement, donc c'est quand même incroyable ça. C'est quand je vois des courses comme ça que je me dis non, non, je prends pas le DLC, c'est pas possible. Regarde, t'as vu? Ce virage là, comment il fait pour aller aussi vite sans glisser? C'est pas possible. De toute façon, il va me repasser devant lui dans les virages, c'est sûr. Je finirai pas 27ème. Elles sont longues les courses en plus. Moi si je freine pas là ça passe pas. Hein. Donc eux comment ils arrivent à passer? Regarde. Regarde ça! Putain, je viens de saturer le micro. C'est pas possible! C'est pas possible! Putain, pourtant je passe bien quoi. Enfin je sais pas. on va. Je me plains pas, je me plaindrai pas à l'autre course. Je vais essayer de pas te plaindre. Là là c'est un truc de malade. 30ème là, regarde. 30ème. Nouveau record personnel du secteur, ok. Ah. Pour moi, je passe plutôt pas trop mal. Mais eux passent mieux. Je sais pas, ils sont. Y'a quoi, y'a un phénomène de gravité qui est pour eux là, je sais pas. Les roues sont collées, ils sont en super tendre. Je sais pas. C'est peut-être mes pneus qui vont pas, ouais. Ça se trouve, c'est ça. Est-ce que je vais pouvoir améliorer ma voiture entre deux courses? Je vais essayer de prendre des pneus super tendres. Le problème, c'est qu'après, j'ai peur de plus tourner. Bref, putain, on a mis quasiment un quart d'heure pour lancer la vidéo et finir la première course, ça va être long aujourd'hui. Allez, on arrive 30ème de cette super première course. C'est une McLaren P1 GTR, une Koenig Jesko et une autre Ferrari comme nous hein, qui arrive en 3ème. Donc c'est faisable avec cette voiture. C'est pourtant faisable avec cette voiture, ouais. Bon, bah écoutez, on va voir la deuxième course. Je vais sauvegarder le ralenti quand même, même s'il n'est pas super super. on va voir. Oh là 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 là, mais je me fais laminer. L'IA ne me respecte pas sur ce circuit. C'est un truc de malade. Bref, allez, on part sur la deuxième course. Batteur, c'est la première fois qu'on le maîtrise. Tu vois, on l'a déjà fait 2-3 fois, mais c'est la première fois qu'on le maîtrise. Est-ce qu'on prend un marqueur? Non, nous ne prenons même pas de marqueur. Hein. On va être loin d'en prendre. Donc je vais bien pouvoir améliorer ma voiture tout de suite. Je sais même pas si je peux l'améliorer entre deux courses de championnat, ouais. Je sais pas du tout. Allez, direction la deuxième course du championnat. Sous la pluie en plus. Alors je rigole parce que soit ça va être pire, soit ça va être pour nous, l'IA va pas rouler, ouais. Donc Hockenheim classique, c'est parti. Et apparemment si je peux l'améliorer, hein. J'ai vu que j'avais accès au garage. Donc on va voir si je...
J'ai pas regardé combien j'avais d'argent, si ça se trouve je pouvais faire maintenant. Ah mais tu vois bien que je suis bête, hein. Je dis il faut que je fasse ça avant de relancer la prochaine course, puis en fait je le fais pas. Bref, en plus c'est que si on gagne pas le championnat, il y a, je sais pas si on aura la cinématique de fin de carrière, ouais. Ah ouais, si ça se trouve il y a une cinématique. On a déjà eu des fins de championnat où il y avait des cinématiques, mais je crois qu'il faut qu'on remporte le championnat final, ouais. Ah je sais pas les conditions, est-ce qu'il faut juste participer ou on remporte? Et à mon avis il faut le remporter, ouais. Bon là le chargement là c'est un peu long. Ça se voit qu'on est toujours sur la version PS4 du jeu. On serait sur la version PS5 il y a longtemps qu'on serait en course. Allez, bienvenue en Allemagne sous la pluie. À Hockenheim classique. Pour notre deuxième course de ce championnat. Il faut qu'on marque 60 points, qu'on remporte deux courses, donc toujours pas fait. Et qu'on remporte le championnat. Avec une 30e position, je suis pas sûr qu'on remporte le championnat. Allez, on va voir ce que ça donne sous la pluie. En plus, Hockenheim classique, je crois qu'il est assez long, ouais. Allez, le premier virage pour nous. Oh là 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 là. Eh ben dis donc, eh, ils sont passés sans glisser eux. Alors, on voit rien en plus, hein, on voit rien. Ah putain, ils avancent pas, faut que je zigzague, faut que je zigzague. Lui aussi zigzague. J'ai une mouche qui vient se poser sur mon front. Oh, attention, là il y a une chicane. Et on arrive à se mettre deuxième. Ah, on l'avait déjà fait avec une Porsche classique. Bon, mais ils avancent pas dans la ligne droite. C'est déjà une bonne chose pour nous. Ah, bah ça va, là, j'arrache plus. Comme quoi. Bon, 5 tours, ça va être assez long là encore, hein, ouais. Alors, ce virage, il est comment déjà? Il est là-bas, ouais. Ok, attention. Ah, ouais, ici, l'IA a tendance à se planter, il me semble, hein, de mémoire. Quand on avait fait la course avec la Porsche classique sur cette. Sur ce circuit, l'IA s'était pas mal ramassée dans ce virage, ouais. Bah écoutez, bah. Les lignes droites avec cette voiture, elles sont pour nous, ouais. Alors je freine un peu en avance. Ah, j'ai relâché le frein, la pédalité, tu la sens venir là? Alors que je me suis planté dans le virage. Hein. Ah, bah non, pas de pénalité. Oh là là, on leur a déjà mis 2 secondes, 3 secondes quasiment. Et là, normalement, on revient après sur la partie du GP moderne. Ok, ça va faire des tours de 2 minutes encore. Bon, mais comme on est premier, on va pouvoir se concentrer sur la maîtrise du circuit. Par contre, on glisse pas mal sous la pluie, ouais. Ils vont peut-être nous rattraper dans les virages. Putain, mais c'est Holiday on Ice là dans les virages sous la pluie, ouais. Ah ouais, il nous rattrape dans les virages. Allez, deuxième tour. Des tours de 2 minutes. Si je sors du. Ça va pas valider. Si, ça le valide, c'est bon. Allez, 5 virages maîtrisés. Sur les 9, il nous en manque 4. Ben, merci les lignes droites ou merci la pluie, je sais pas. À mon avis, c'est la ligne droite. Hein, parce qu'on a pu voir sur Bathurst que dans les lignes droites, je l'ai rattrapé quand même. Je m'excuse, j'ai eu un mouvement de caméra, c'est à cause d'une mouche qui vient se poser sur ma main. Ça c'est validé. Ah, c'est pas la bonne saison, hein, pour enregistrer des vidéos avec les mouches là. La prochaine chicane est validée. Oh! Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu le coin là. Je l'ai pas vu, mais je l'ai bien senti, ouais. Elle a combien? Alors là, juste à 3 secondes d'avance, ouais. Allez, là, la chicane, elle est pas validée par contre. Ça, c'est bon, 7 sur 9. Il nous en manque deux, hein. C'est dans les derniers virages où on a joué à Holiday on Ice là sur la glace. Alors le prochain est validé, ouais, c'est celui-là d'après qui est pas validé. Il nous en manque deux? Ah ouais, les deux prochains. Les deux prochains on les a pas. On va essayer de les prendre bien comme il faut. Pas trop vite.
C'est bon. Ah, la trajectoire c'est bon, mais le virage c'est pas bon. Il n'y a pas de marque. Si c'est bon, il a maîtrisé le virage. Mais écoutez, en deux tours, on a maîtrisé tous les virages et la trajectoire. Je peux revenir sur la piste. Merci. Ah, tu vois, il nous rattrape ouais, dans les virages. On était à quasiment 6 secondes. Et là, ils nous ont rattrapé, ouais. Heureusement qu'il y a des lignes droites pour nous, ouais. La prochaine, ce sera où? Rérez. Rérez, ouais. Il n'y a pas trop de lignes droites à Rérez, par contre. Il y en a deux, ouais, deux. Donc ça va être compliqué, hein, de les... En plus, c'est sur le sec, ils vont tracer, ouais. Attention là, pas mordre. Pas choper une pénalité non plus. La vue intérieure, elle donne quoi sur cette Ferrari? Bah, toujours aussi stylé, hein, les LED sur le volant. Meilleur premier secteur. Ah! Ah! Faut pas mettre la vue intérieure! Ça va qu'on a de l'avance, hein. Mais attends, faut pas que je laisse échapper cette victoire, hein. Il me la faut absolument. Nicolas, réveille-toi. Ah, on avait 5 secondes d'avance là, zut. Ah, c'est que j'ai pas mis la bonne vue. J'avais mis la vue du casque qui tourne, c'est pour ça que j'étais un peu perturbé. Tu vois, faut trouver... Toujours que je trouve une excuse, moi. Allez, on retente en vue extérieure. En vue intérieure, pardon, cockpit. Quand même pas trop faire de bêtises parce qu'on est qu'à 3 secondes d'avance. Hein. 4 secondes maintenant. Grâce à la ligne droite. C'est quand même stylé en vue intérieure, ouais. Ah, j'ai l'impression de mieux prendre ces virages là dans cette vue, ouais. Mais par contre, la voiture à part en latéral, c'est un truc de malade. Allez, quatrième tour, c'est assez long les tours ici, ouais. Avant dernier tour. Ouais, on est sur des tours de 2 minutes 16, 2 minutes 15, 2 minutes 16, ouais. C'est long quand même. Ah, on va tomber sur une vidéo d'une bonne cinquantaine de minutes aujourd'hui, ouais. Là, on écrase la pédale de frein. C'est dommage avec l'essuie-glace là qui nous gêne. Secteur 1 rapide, ok. Ah, attention ici tout à l'heure. Oh là là, je suis pas parti comme il faut. C'est bon, j'ai mieux passé que tout à l'heure dans la vue intérieure. À combien? 7 secondes d'avance, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Je veux que je ralentisse un peu avant dans la vue intérieure, là, comme ça. Oh, le volant qui tourne dans tous les sens, je contrebraque dans tous les sens. Pour essayer de pas partir en live. Allez, on rentre dans le dernier secteur. Oh là là, je suis parti dans la terre là. Je me concentre un peu plus hein, dans cette vue. Ah, j'ai le cul qui veut passer devant, ouais. Allez, on rentre dans le dernier tour. Eh, 2 minutes 7 là, on l'a pas mis longtemps. Hein. C'est le tour le plus rapide qu'on a fait. Putain, ouais, on était qu'à 2 minutes. Ah ouais, mais on a fait une erreur à chaque tour quasiment. On a fait quasiment cogner des murs à chaque tour. Donc, 2 minutes 7, ok.
330 km/h quasiment là. Combien? 9 secondes d'avance, ça va. Tu vois, par rapport. C'est ça, hein, je vais pas le redire, je le dis quasiment à chaque vidéo. L'IA, c'est pas possible. T'as vu comment elle était sur le premier circuit? Regarde comment elle est sur celui-là. Il y a quand même quelque chose qui va pas. Plutôt que de sortir des season pass avec des DLC à foison là, annoncés même avant la sortie du jeu de base. Ah, parce que ça, c'est devenu menu courante. Putain, travaillez vos IA, les gars, avant de travailler des DLC, quoi. Travailler vos IA, c'est pas possible, c'est pas possible. Comment l'IA peut avoir un comportement différent de nous, quoi? Je veux dire, même surtout sur une même voiture, quoi. La course d'avant, quoi, la Ferrari, tain, elle arrive troisième. Si elle avait eu le même comportement que nous, enfin, je sais pas, elle serait pas arrivée troisième. Enfin, je sais pas. Il y a un truc que je pige pas. Travailler sur des DLC avant même la sortie d'un jeu, plutôt que de travailler sur le jeu en lui-même pour qu'il soit parfait, quoi. Putain, tu te souviens les consoles là avant la PS1, PS2, là tu mettais une galette et puis voilà, le jeu il était fini et puis vous t'y jouez tout le temps, quoi. Ils étaient obligés de sortir des jeux finis. T'avais un jeu qui était mal sorti, mal fini à la sortie, mais tant pis, il n'y avait pas de mise à jour, c'était terminé. Là, malgré les mises à jour, quoi, c'est toujours imparfait, quoi. Finissez vos jeux correctement avant de faire des season pass et des DLC, quoi, sérieux. Allez, c'est pas grave. On termine cette course ici à Hockenheim en première position. Donc ça contraste hein, avec la 30e position de Bathurst Mont Panorama. On va pouvoir continuer. Je vais pas sauvegarder le ralenti là, parce que sous la pluie c'est un peu moche en vignette. Donc une course de 11 minutes hein, mine de rien. Et donc on est comment le championnat? Est-ce qu'on va voir le championnat? On est premier. Ah, Max Rutschinski, je crois qu'il était déjà sur le podium hein, de la course d'avant, ouais. On est comment? On est comment? On est où? On est où? On est quatrième avec 25 points. Ok. Ok, ok. Donc déjà, ça nous fait pas mal remonter. Allez, remporter des épreuves sur Hockenheim Classic 2 sur 3. Maîtrise Hockenheim Classic plusieurs fois 2 sur 3 aussi. On va pouvoir continuer. Pas assez d'XP pour prendre un marqueur, je suppose. Non. Bon, tu vois comme quoi ça vient pas de l'amélioration de la voiture. Hein. Ça vient surtout de l'IA, le problème. Allez, on va partir... Rerez ou Willow Spring, là je sais plus. C'est les deux courses qui nous restent à faire. Je crois qu'on va partir à Willow Spring d'abord. On va voir ça, on va voir ça. Un petit chargement qui va bien. Allons, on part à Rerez. Ok. Ah, j'ai 67 000, mais si, je peux l'améliorer la voiture. Est-ce que je l'améliore, apparaît pas un petit peu. Allez, on change les pneus. Alors, on va mettre des pneus tendres. Est-ce qu'on fait une réduction de poids? On peut faire une petite réduction de poids aussi. Allez, vas-y. On va juste faire une réduction de poids et améliorer les pneus. Allez, on continue. Donc, on part à Rerez. On est actuellement quatrième du classement général. Faut qu'on remonte à la première position. On a 25 points. Le premier est à 40 points. Allez, on va voir comment se comporte l'IA ici aujourd'hui à Rerez. Je suis en train de repenser à la première course. Je suis dépité. J'ai même pas envie de parler quand je repense à la première course. Bref, oublions-la. On a fait une première position sur la deuxième. On va voir ce que ça va donner à Rerez. Faudrait que j'arrive à marrer cette mouche aussi. Il y en a deux même qui m'emmerdent. Je sais pas si je l'ai eu. Ce que vous avez entendu cogner, c'est ma claquette contre la table. Il y en a même deux. Le chargement, ça serait bien que tu t'accélères un peu, ouais. Allez, on est à Rerez de nuit en Espagne. Allez, on est parti en course, on perd pas de temps. Avec notre Ferrari FXXK. Alors Rerez. Putain mais ça. Ah ouais, mais bah ouais, c'est que ça. Il va changer du circuit GP moto, ouais. Je vais essayer de passer à l'intérieur là. Ah, j'ai oublié de freiner, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, je... Oh, il m'a pas respecté l'autre avec sa voiture rouge. Alors, je sais plus si j'ai le droit de rouler dans les parties vertes là.
pas grave, on s'est mis quatrième, c'est déjà pas mal. Regarde, le dérapage, ça va pas. Ouh, la ligne droite, elle va pas être assez longue pour nous. Tu vois le chpette que je chasse du cul là? C'est que je sais pas si je peux rouler dans les parties vertes en fait. Eh mais c'est la première fois qu'on court à RRS dans ce jeu, non? J'ai déjà fait une course à RRS dans ce jeu, j'ai un doute hein. Ah oui si, j'en ai peut-être déjà fait une, ouais. Quoique, j'ai un doute. J'ai un doute parce que... Ah attends, il est modifié ici là, ouais. Alors attention aux pénalités dans ces petits virages. Oula, comme il passe vite ici. Ouh, il est passé trop vite dans ce virage. Non. Tu sais, ah là, il y a quelque chose de jouable ici. Mais en fait, j'ai peur des pénalités. Il dit quoi? Easier to drive? Comment on peut faire easier to drive? Je sais pas si je peux rouler dans les parties vertes. J'ai envie de tester, mais j'ai pas envie de prendre une pénalité en même temps. Oh! La vitesse où il est passé! Il m'a enfumé! La vitesse où il a passé ce virage! Truc de malade. Et Max Ruchinski, c'est lui qui est premier hein, actuellement du championnat. Faut qu'on lui fasse une couille. Il m'a enrhumé l'autre dans le virage. Je m'appuie sur toi, gars. Désolé. Qu'est-ce qu'il veut faire comme réglage là? Ah, c'est qu'il pleut maintenant! Ah putain, il pleut maintenant! Pourquoi il pleut encore? Ah, il est là le premier, hein. On peut aller le chercher. Je sens que je vais faire une bourde avant la fin. Allez, le premier, il est là. On va essayer de keep it up. On va essayer de keep it up. Comme il a dit, comme il a dit. Je répète les choses deux fois. Attention, c'est dans ce virage où il m'enrhume en général. Oh, aïe, 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 aïe. La vitesse où il passe ici. C'est un truc de malade. Oh, les quatre à se battre là. Ah, elle est tendue cette course, ouais. Ah, une course comme je les aime, voilà. Là au moins. Bon, il y a un virage où ils sont over-cheatés. J'avoue. Parce qu'ils m'enrhument dans le virage à chaque fois. Et j'aurais peur qu'ils me virent à un moment ou un autre. Ah là là, les virages, comment il est pas sérieux. Puis la pluie là, elle est mal faite, sérieux, dans le jeu aussi. On joue des coudes, hein, on joue des coudes. L'IA a joué des coudes avec nous, mon panorama. Je lui rends l'appareil. Je lui rends l'appareil. Non, j'ai raté mon virage. J'ai raté mon freinage, sérieux. Si tu mets une pénalité là, je te détruis. Ah ouais. On a maîtrisé tous les virages. Ah, je le voulais pas. Ah, la galère à l'accélération. Allez, on rentre dans le quatrième tour. Putain, j'ai plus de lapin devant, ça c'est dommage. J'aime bien avoir un lapin devant. Comme ça je sais comment conduire à peu près. Parce que là, t'as vu, tout à l'heure, j'ai raté mon freinage pour le coup.
Attention, c'est dans le prochain virage où ils vont aller très vite. Moi, si je freine pas là, tu vois, je glisse. Hein. Allez, on a pris une petite avance. Je suis obligé de me mettre à l'équerre hein, pour drifter un peu et pouvoir tourner. Sinon, j'ai du mal à tourner si je freine pas. Ouh là 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 là, c'était juste le freinage. Ah, il a le prochain virage à gauche, là, ils vont aller très vite. On a une toute petite avance sur le radar. Non, 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 non. Oh, il m'a pas respecté le pare-choc arrière. Oh là 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 là, comme il passe, sérieux. J'ai peur des pénalités à chaque fois que je mets les roues dans l'herbe. On joue des coudes pour gagner notre première position. Je suis sûr, on va la perdre avant la fin. Oh, je suis concentré à mort là. Allez, on rentre dans le dernier tour maintenant. C'est chaud, c'est chaud. Mais il nous la faut cette victoire. Il nous la faut absolument. Il nous la faut cette victoire. Car comme je suis en train de tourner à l'équerre, sérieux. Il faut que je garde l'avantage là dans ce virage. C'est bon, c'est bon. On a pris un peu d'avance. Faut jouer safe, faut jouer safe. On est bien là. On a un petit peu d'avance en plus. Pas une seconde, mais on a un petit peu d'avance, ouais. Putain, je tourne trop lentement dans ce virage. C'est là qu'il me rattrape en général. Hyper concentré, hein, ça s'entend. Ils sont revenus sur moi. Allez, normalement on est pas mal là pour la victoire. C'est bon, on enchaîne une deuxième victoire. Elle n'était pas gagnée cette course. Là, c'était une vraie course. C'est des courses comme ça que je veux voir. Où on est sur le fil. Là, là, c'était serré. C'était bien, là. Ça, c'est de la course. Ah, ça fait plaisir de voir des courses comme ça. Franchement, j'étais tendu, j'étais stressé, j'étais concentré. Bon, on peut voir qu'il y avait des virages où ils étaient quand même overcheatés, mais bon, on a quand même réussi à maintenir cette première position qu'on a eu du mal à aller chercher, mais qu'on a réussi à prendre. Au championnat, on est comment maintenant au championnat? On doit être pas mal au championnat. Hein. Matruszewski, en plus, qui était premier, n'est pas sur le podium, donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. On est premier actuellement du championnat. C'est jouable. Il reste une course. Il reste une course. Faut qu'on arrive devant Max et devant Gary. Absolument. Absolument, ouais. Allez, on part pour la dernière manche. On prend un marqueur qui nous permet de prendre 28 000 et passer niveau 23 aussi. 28 000 crédits et niveau 23, donc ça c'est cool. Et on part donc à Willow Spring. Alors, Willow Spring, on a déjà fait, je crois, seulement un régulateur de vitesse dessus, ouais. Ou même un tour lancé seulement, ouais. Je crois pas qu'on ait fait de course dessus. Alors, le problème, c'est que là, si on met les roues dans le sable, ça va être tendu. Faut que je le gagne. Faut absolument que je gagne cette épreuve. Faut absolument. Il n'y a pas à chier. Faut la gagner. J'ai pas vu les conditions. Si c'était de jour ou de nuit. S'il pleuvait ou quoi. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il pleuve. On a déjà eu la pluie sur Hockenheim et sur la fin de Rerez là. Allez, il nous faut cette course. Il nous la faut absolument. Là où ça me fait peur, c'est que il y a énormément de virages.
et que moi je dois freiner à mort et que eux passent très très vite dans les virages. C'est ça qui me fait peur. Il n'y a pas beaucoup de lignes droites. Avec notre Ferrari, on est bon en ligne droite. Par contre, dans les virages, on se fait bouffer, quoi. Surtout dans cette catégorie. Allez, bienvenue aux États-Unis pour la dernière manche de ce championnat GT Open majeur. On est parti, écoutez, pour la dernière course. Et dernière course du jour, ouais, normalement. Allez, faut qu'on se mette premier très rapidement. Très, très, très rapidement. Ah, le problème, c'est qu'on patine au démarrage. Allez, vas-y. Attention, premier freinage là qui est rapide. On se fait emmener sur l'extérieur, hein. Malheureusement, là, on n'est pas bien positionné. Si j'arrive à me positionner là, ce serait pas mal. Ah, ce virage a l'air d'être pour nous, ouais. Ils sont en galère dans ce virage apparemment. Oh, attention, on va pas trop sortir au large quand même. On se met quatrième, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, tu vois, ils vont vite dans le virage là. Hein. Ouais. Oh, la voiture comme elle a volé. Et t'as vu comme il est revenu facile sur la piste. Allez, on se met troisième. On est combien? 5 tours là aussi ici. Oh, pardon, je t'ai pas respecté. Allez, on est derrière Samy. Samy, c'est bon, il est pas dans les premiers. Oh putain, on passe premier assez facilement, ça c'est cool pour nous. Alors par contre, attends, ce virage. Ce virage, il est comment? Il est... Aïe, 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 aïe. Ah mais moi, si je freine pas, je me fais emmener. Ah par contre, le dernier virage va pas être pour nous, ça c'est sûr. Bouge, bouge, bouge. Ok, le dernier long droite là, ça va être compliqué, ouais. Après ce virage, ils ont tendance à pas aller très très vite. Quoique tout à l'heure, on était peut-être aidé par les IA, ouais. Oh si, il va vite l'autre, regarde ça. Oh là là, c'est qui est devant? C'est Samy. Ah non, c'est pas Samy. Samy, c'est celui-là qui est devant moi. Non, non. Je le sens mal, en fait. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh putain non! 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 Je vais laisser envoler le championnat! Non! Qui est devant? Je sais plus qui... Je sais pas quels pilotes sont devant. Non! Oh, je suis dégoûté. J'ai mordu à l'intérieur du virage qui m'a emmené tout à gauche. La nuit tombe en plus ici. Oh, ils passent vite là, hein. Ouais, on les voit vite revenir derrière. Oh, j'ai maîtrisé qu'un virage, les boules. En trois tours, j'ai maîtrisé qu'un seul virage. Oh là là, la quatrième position, on va peut-être laisser partir le championnat malheureusement. Non, 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 non. Je suis dégoûté. C'est fini. Je déteste ce circuit. Même dans Gran Turismo Sport, je déteste ce circuit. Regarde, je suis obligé de freiner, sinon je pars à l'extérieur. Ils passent tous devant. Aïe, 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 aïe. Ça y est, c'est terminé. Septième. Ah, je suis deg. Tu vois, je t'avais dit, il y a des circuits où l'IA... Attends, c'est dingue, ça. Là, comme il passe vite côte à côte dans ce virage, quoi. Faut que je me concentre.
Le grand long droite là sur la fin, c'est impossible, j'y arrive pas. Putain! Ah! Merci. Mon Dieu, ça m'a réveillé. Bougez de là, sérieux. Allez, on bouge. Oh non, j'avais moyen de remporter le championnat. Allez, dernier tour. Est-ce qu'on peut garder le top 10? Ça serait pas mal. J'y crois moyen. À cause du dernier virage où ils vont très très vite. Ils sont collés à la route. Et moi, si je ralentis pas, on a pu le voir. Hein, j'ai testé dans le quatrième tour. Je pars à l'extérieur du virage complètement. Allez, on se retrouve dans le peloton. J'ai plus de pare-choc arrière. Ah là 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 là, je suis dégoûté. Regarde ça, la vitesse où il passe. C'est dingue ça. Ah là là, on finit 12e. Vas-y, vas-y. Non. Je suis même pas dans les points. Oh là 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 là. Et on va même pas remporter le championnat à cause de cette course, ce dernier virage. C'est vraiment le dernier long droite là qui m'a mis dedans. Pff. Max Ruchinski qui arrive deuxième. Oh là 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 là. On va terminer deuxième ou troisième du championnat, je pense. On termine deuxième du championnat. Deuxième du championnat. Aïe, 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 aïe. Malheureusement, on ne remporte pas ce championnat. Ah, il y a longtemps qu'on n'a pas gagné de championnat, ouais. Très, 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 très longtemps. C'est rien très difficile sur cette fin de carrière. Et mine de rien, ça nous aura pris plus de 45 minutes, hein, ouais. Un truc de malade. Donc voilà. C'est la fin de la carrière du jeu de base. Alors normalement je pense qu'il aurait dû y avoir une vidéo si on avait remporté. Attends, fais voir si je vais voir ici. Licence. Il n'y a pas les vidéos, non? Il n'y a pas les vidéos, non. Donc voilà, c'est la fin du jeu de base. Honnêtement, je sais pas, parce qu'en plus il est à 34€ le Season Pass, ça fait un peu cher. Sinon c'est 10€ chaque pack, ça fait 40 balles. Le Season Pass est à 34€. Je l'aurais bien pris s'il avait baissé de prix, mais là honnêtement je sais pas. J'ai un doute. Est-ce que c'est la fin de la carrière? Est-ce que c'est pas la fin? On sera la semaine prochaine. Mercredi prochain. Est-ce qu'on revient sur du Project Cars 3 ou pas? C'est la surprise. J'espère que vous aurez apprécié cette catégorie, cette fin de GT Open à un majeur. Malheureusement, on a le temps que de faire le championnat. On a gagné au moins un défi, ouais. Remporté deux manches. On n'a pas marqué 60 points, on a marqué seulement 50 points. Et on n'a pas remporté le championnat, voilà. Je vous dis, portez-vous bien en attendant. Peut-être ou pas la prochaine. Et en attendant, bah, ciao, bye bye pour les prochaines vidéos.